minutes les plus sûrs espoirs français, sans oublier dans quelques instants le plus mal à la 6, 92, Valentin Guillaume, Jordi Tixier, numéro 911, Pontoff, le 59, Damon Brolus, Tartre Petrov, Lutron, Jérémy Simon, Ramon sur son avis, Tim Geyser, Dylan Ferrovic, ça va être compliqué, ça dure. Juste un mot, puisque je vous libère, vous allez pour le direct. Alors on se retrouve à Lille, à la fin de l'année, là, au mois de novembre. Voilà, c'est fait, je serai à Lille, je ne peux pas rouler une seconde. Mais voilà, ça me tenait à cœur l'année dernière d'avoir fait Bercy. D'être à Lille, je pense que ça le sent encore plus. J'espère qu'il y a Bercy. Et ça, je compte sur le public français, je ne vais pas soucier. Et la plus, elle sera d'autant plus belle, je pourrai avoir un jardin. C'est vraiment une bonne terre et ce sera extraordinaire. Ce sera un petit peu le Stade de France. Avec un toit, avec un toit en plus, avec les intempéries, je ne mettais pas doute sur l'organisation. Merci Gauthier, Gauthier Paulin, mesdames et messieurs, GP. GP Gauthier. À l'arrière du peloton avec pas moins de 3 voire 4 pilotes pris dans la bagarre. Max Hansich, Arnaud Tolis et Valentin Guillaume, mesdames et messieurs, voici le quatuor de tête. Alors Calix Ibérail vient de chuter sur l'arbitre et le jeu d'ailleurs au Supercross de Lille, lui aussi parmi les outsiders à ne pas négliger. On a, vous l'avez compris, un excellent Jeffrey Hermix qui une fois encore a fait parler sa domination, il n'a peur de rien, le Vitalik est second. Il y a Valentin Guillaume à quelques longueurs seulement. Jordi Tixier, il y a une position du quatrième aujourd'hui. Jordi Tixier, il y a une position du quatrième aujourd'hui. Voilà, c'est fait. Valentin Guillaume est passé devant Hensley, juste derrière c'est Arnaud Tonus, l'autre pilote Helvet, sans oublier Jordi Tixier dans l'ombre, là, quelques mètres derrière le duo suisse et le britannique Max Hensley. Il est au Thank you.
Ricard qui va tenter de le faire encore. Et c'est maintenant Villette qui remet son début dans la roue de Max Verstappen. Il a fait une ou deux petites erreurs comme souvent avec les premiers tours, mais il y a un groupe qui revient, effectivement. Maxime Fili est un peu à la tête. Il a fait une terroriste de près de l'air de l'aide. Et il a fait attention. En tout cas, pour l'instant, joli tir pour les Français, puisque derrière,
la cinquième position donc de Dylan Thermis. Il vient de servir en 122. Et puis on a un peu oublié, mais Maxime Fille, sauf qu'il n'avait pas la vitesse, mais il est encore dans la match. Max, il a fait ce qu'il fallait, il a réussi à faire une course de tournade, il a contenu les écarts avec le départ du Sénat de lui aussi, probablement. Allez, l'arrivée dans moins d'un tour. Le retour de Jeff Ehrlich, le pilote hollandais donc qui aura de l'idée de la tête et des épaules et bien cette revanche du championnat du monde continue ici à Saint-Jean-d'Angélique. Alors dans les instants, il est en train de remonter dans la zone de shot tout simplement pour aller chercher la victoire, le passage notamment dans quelques secondes du côté de la descente en double saut. Les derniers instants, le pilote hollandais qui a rallié la cadence, il ne prend aucun risque. Lui qui a pratiquement 14 secondes d'avance sur Arnaud Tolus. La sortie de la zone du bon, c'était victoire. Une nouvelle fois pour le leader du championnat du monde MX2, mesdames et messieurs, Jeff Ehrlich. Et encore Arnaud Tolus qui est là. Valentin Guillaume qui revient, mettre après maximum Arnaud Tolus, mais Arnaud intelligemment. Double Suisse pour les deuxième et troisième place, Arnaud Toulouse sera second. Même si Valentin Guillot tente un dernier coup tranquille avant de gagner la trompe à l'âge, je vous l'avais dit, il a la condition physique, Valentin Guillot. Non seulement il n'a pas été menacé, mais en plus, il est revenu dans la roue de son compatriote. Il peut marier un sourire, premier podium pour Valentin Guillot. La vie est belle du côté des Suisses. Double Suisse.